Allez, Josuke, le dernier Rwanda de la série Jojo. Hein, un amnésique qui peut faire perdre l'essence à son adversaire. C'est en 5 ? Ah, 4. Allez, choisissons le stage, messieurs, choisissons le stage. Il n'y a pas d'embrouille. Allez, celui qui perd se retrouve malheureusement éliminé du tournoi. Je pense qu'il mérite bien qu'on les encourage. On applaudit Jean-Pierre Coff, Gouac.fr, Ken Bogard, commentateur officiel du Sunfest, dans une finale loser de haute volée. Et du coup, ça part, voilà. Petit dash avant de la part de Ken Bogard qui va essayer de faire un petit jump arrière pour éviter de prendre les coups de son adversaire. Okuyasu qui cherche une late ouverture avec un stylish guard. Et non, malheureusement, c'est Ken Bogard qui prend l'avantage avec une mise au sol et un jump gros point qui va faire bien des dommages. Mais Jean-Pierre Coff qui fait le combo classique de son personnage. Voilà, effectivement, le petit follow-up, je te piétine. Ken Bogard qui se retrouve dans le coin et qui est déjà pas dans la moitié de sa barre de vie parce que les furies d'Okuyasu qui font très 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 mal. Et là, de nouveau le Mokubinisme, l'osso sur place, gros point, avec de nouveau la furie, ça fait très très mal. Le perso qui n'a absolument pas besoin de faire 36 000 phases, petit, moyen, gros, furie imbloquable, et c'est terminé. Deuxième round du coup complètement sans transition. Alors là, la chope de Ken Bogard qui aime beaucoup jouer sur la chope, c'est son arme maîtresse même si j'ose dire, il en fait beaucoup à tous les rounds, ça peut lui porter préjudice sur quelqu'un qui peut déchoper en face de lui. Le stylish guard, les deux persos qui clashent, qui mettent des coups en même temps. Et là pour l'instant, Okuyasu qui trouve l'ouverture de garde avec le combo derrière la furie dans ta face et brah ! C'est reparti, c'est de nouveau la moitié de barre pour Josuke qui branche tellement cher sur ce premier match et qui réussit à trouver une ouverture. Et voici une bulle, il lui vole la vue, la boule magique et le combo qui s'enchaîne derrière sur un jump gros point. Il se sépare de son stand, le juggle qui consiste à faire rebondir son adversaire dans les airs et de nouveau la bulle, c'est reparti. Cette fois-ci ça va s'arrêter là mais ça va faire en même temps très très mal à la barre, le personnage en face qui a perdu 45-75% de sa barre de vie. Et une dernière furie, et là normalement c'est la mort assurée si Ken Bogard réussit son combo. Et il remporte du coup le deuxième round. Il a décidé de pas se laisser faire. C'est pas les furies moitié de barre de son adversaire qui vont lui faire peur. Chacun ses armes, pour l'instant c'est plutôt équilibré. Et du coup l'ouverture sur un Okuyasu de JP Coff qui s'est laissé tenter par un coup spécial dans le vide, ce qu'on appelle du whiff punish. La chope de la part de Ken Bogard, très très bien vu. Et c'est la pause du joueur 2. Que se passe-t-il? On se regarde dans le blanc des yeux. Ken Bogard qui dit le regard plein d'amour, c'est pas grave, on continue. Parce que normalement une pause c'est le round perdu pour son auteur. Mais là, fair play Verdier, j'apprécie beaucoup l'attitude. Allez, de nouveau pressing, balayette. Voilà, Lokizeme, je te piétine. Marre de réfléchir, il lance la great art attack, la super attaque complètement dans le vide, puni par la boule magique, la Dragon Ball de Josuke. Et c'est reparti pour le combo. Voilà, séparation du stand, il l'envoie valdinguer, le juggle dans le coin, de nouveau les boules, et ça rate malheureusement, c'est pas grave. La chope, on vous le disait, il aime bien faire des chopes. Et de nouveau la chope, et ça tue. Félicitations, premier match pour Ken Bogard qui revient entre les enfers en loser bracket et qui a décidé que c'était son heure. Reste à voir comment Jean-Pierre Coff va contre-attaquer. C'est un homme plein de ressources. Il va pas se laisser faire normalement. Allez, du coup, un match à zéro pour l'instant pour Ken Bogard. Et Ken Bogard qui presse sévèrement son adversaire, hein, le Okuyasu de Jean-Pierre Coff, qui se prend malheureusement le coup spécial de la personne adversaire qui l'envoie à l'autre côté de l'arène. Voilà, le dragon, c'est de nouveau le ground cross-up, on va passer dans le dos de son adversaire par le sol. Mais c'est l'ouverture de la part de Ken Bogard qui trouve le magnifique combo avec la boule magique. C'est la première dans l'animation, il va pendant un moment enchaîner derrière. Non, la mise au sol, c'était tant que je gueule en l'air, ça ne permet pas de comboter derrière. Okuyasu qui cherche l'ouverture, cancel de la part de Jean-Pierre Coff pour continuer. Et la furie derrière, bah, ça fait tellement mal à la barre. Josuke qui commence à avoir vraiment mal. Il ne reste plus qu'un quart de vie. Il a heureusement son rage mode. Quand il clignote en rouge, il fait beaucoup plus mal. Et là, il a une demi-barre derrière sa furie. Il va pouvoir faire de grandes choses, Ken Bogard. Le cancel, séparation avec le stand, juggle, c'est reparti. Voilà, les boules et la deuxième furie. Et là, normalement, c'est terminé.
Et non, ce n'est pas terminé. Je me suis un peu avancé sur les dommages. Okuyasu qui a encore toute sa barre de vie. Et là, c'est fini. Le vol de round. Le vol de round caractérisé avec violence, sans arme blanche, mais quand même. Et du coup, sans transition, premier round pour Jean-Pierre Coff sur ce deuxième match qui se prend les boules magiques qui traînaient dans le coin. Ah, Okuyasu qui se fait choper. Voilà, la béquille dans les genoux. Ken Bogard qui met sa garde. Et l'ouverture, heureusement. Okuyasu qui ne fait pas la super. Et Ken Bogard qui en profite. Oh, de nouveau la boule magique avec le follow-up gros point. Le combo qui a complètement raté. Comment on peut rater ça? Un reset français avec la chope derrière. Et les boules qui touchent en entière. Okuyasu qui ne peut pas continuer son combo. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff qui bourre les lights. Jean-Pierre Coff qui met la super. Et qui arrive du coup à moitié de barre de vie sur son adversaire. Qui a encore l'avantage sur ce round. Et de nouveau choc de la part de Ken Bogard. Ken qui pour l'instant est plutôt pas mal dans ce round. Et de nouveau, chope de la part de Jean-Pierre Coff. La furie. La furie qui casse la furie de Ken Bogard. Et du coup, JPK qui reprend l'avantage avec l'ouverture de garde juste derrière. Et un partout. Ça ne lâche rien. Complètement dans le jeu. Pendant que ça fait le show sur scène. Ça fait complètement le show. Allez, dernier match, qui c'est qui va accéder à la grande finale? Encore un petit tonnerre d'applaudissements pour ces très beaux matchs. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans des transats qu'on est fatigué, c'est que le vendredi du Stunfest. C'est le premier jour. Et du coup, allez, le dernier match, on va voir ce qui va se passer. C'est imprévisible comment... Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Et Jojo Lyon pour l'instant qui tente une ouverture de garde, malheureusement c'est pas confirmé, c'est dommage. Voilà, ce gros pied, la chope dans le vent, mais Okuyasu de JPKOF qui ne punit pas, et le combo, pas de super, ça garde ses barres, ça économise. Tentative peut-être éventuellement de maximiser les dommages derrière, mais non. Et c'est plutôt équilibré, Josuke qui rentre un coup, mais ça ne confirme pas derrière, c'est dommage. Ça cherche, hein. Ça cherche, ça se regarde à mi-distance, la furie, le cancel de la part de Okuyasu pour tenter de rester safe. Pas de furie non plus, qu'il n'en a plus pour l'instant. Et la boule qui passe complètement en mokubinisme avec le saut gros point. Et ça en continue. Ça ne cancelle pas malheureusement. Mais ça trouve quand même une ouverture derrière avec le stand. Attention, voilà. Punis-moi ça. La tortue sur le dos, c'était passé. La furie derrière, voilà. Les deux tiers de barre qui sont déjà partis. Et Ken Bogard qui contre-attaque. Ça se rend coup pour coup. Les animations de super pleuvent. Et là, cette fois-ci, il réussit son combo. Le stand, voilà, avec le son gros pied qui ramasse, le juggle dans le coin, de nouveau les boules et le follow-up qui rate malheureusement, mais il a une magnifique couverture et un bas petit point qui vient terminer ce premier round. Balle de match pour Ken Bogard. Attention JPK, attention, c'est la mort qui t'attend si tu ne te ressaisis pas, tu peux y arriver. Le juggle, non malheureusement, pas possible dans cette phase, et le combo de la part d'Okuyasu qui rentre, la super, rah. Et de nouveau, la moitié de barre presque pour Josuke, qui prend décidément très très cher. Mais ça se rend de nouveau la super. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion sur ce tournoi de Jojo. Ça laisse rien du tout. Et on continue le combo classique. Voilà, le juggle. Va-t-il le terminer correctement? Bien sûr, voici une bulle. Je vais te voler ta vue. Et knockdown. Allez, le petit mind game à la relever. Ça rentre complètement balayette de la part de Ken. De nouveau, l'Okizeme, hop. Dès qu'à la chope, ça a fait ses preuves comme technique pendant tout le tournoi. Okuyasu qui arrive malheureusement trop tard pour choper et qui essaye désespérément de trouver une ouverture. Là ça sent pas bon, mais il va pouvoir peut-être éventuellement... Attention, non, 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 il a eu le temps de mettre sa garde. Le Putsun cancel pour continuer à presser de la part de JPKOF. JPKOF qui est en rage mode, qui veut faire très très mal. Et voilà le follow-up de son stand qui touche en garde haute. Et l'ouverture de combo avec la super en rage mode, ça va faire très très mal. Et de nouveau égalité. La furie qui est complètement punie. Mais ça ne tue pas, il n'y a pas de barre. Et un petit jump HP, Ken Bogard qui fait... Oh, la frustration. Balle de match pour les deux. Allez, tentative de jumping de la part d'Okuyasu. Ça ne rentre pas, attention. Le putune cancel parce que sinon ce n'est pas safe. C'était la punition assurée. Et là, les joueurs qui en sont à peu près au même point. Il y a un peu plus d'avantages au niveau de la barre de super pour Jean-Pierre Coff qui se prend une ouverture de derrière les fagots avec un petit combo simple. L'Okizeme qui rentre complètement et Ken Bogard qui est très gourmand. Deux sauts gros points d'affilée suivi d'un décalage chop.
ça gratte complètement les dommages. Là, super, avec le follow-up qu'on va connaître derrière. Voilà, le combo. Malheureusement, ça sent très mauvais pour JPKOF. Le juggle, la fin de combo, normalement c'est pas bon. Eh ben non, c'est raté, ça se fait des politesses. L'ouverture de combo en rage mode. Oh là là, moitié de bar. Il va falloir plus que ça pour y arriver. Et deuxième ouverture, ah là là. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça peut pas se terminer comme ça. Il est mort, tue-le bon sang. La boule magique enfin. Ah, ça veut pas, hein. Ça veut pas. Et il s'est fait avoir. Il s'est fait complètement avoir par les bulles de savon de Ken Bogard. C'était vraiment un très grand match. Bravo. Félicitations aux deux joueurs. Oh là là. Ça se fait la bise. C'est de l'amour, c'est le Stunfest. Il y avait les gâteaux. Maintenant, il y a les bisous. Avec un petit coup de pied à l'espagnol par derrière. Jean-Pierre Koff. En chaussettes, hein, il s'est mis à l'aise sur la scène, il était complètement présent. Et Verdier qui s'est fait une grosse frayeur, comme dirait effectivement SNK, et qui va du coup en grande finale. Là, ça va être sale, hein, parce que j'ai pris un 2-0 sec en demi-finale face à ce Mukubinisateur fou, hein, et je le sens pas. Comment tu le sens, toi? Moi, je le sens parce que je te joue depuis le 1. Voilà, moi, je crois en la puissance de mon Pokémon. Un Ken Bogard Shiny, voilà, avec Max IV. Malheureusement, Oro est également un Pokémon avec Max IV, donc ça va être difficile.